الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu الله سبحانه وتعالى le très clément le très miséricordieux. Qui nous a réunis en ce grand jour béni de vendredi dans sa maison afin d'accomplir la salade de Jumu'ah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna min a, fa fi, fa inna alay. Parmi les meilleurs de vos jours, il y a le jour du vendredi. Multipliez les prières sur moi ce jour-là, car, car certes vos prières me sont présentées. Donc il est fortement recommandé le jour de vendredi de multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il existe plusieurs formules de douroud, mais parmi la meilleure formule, c'est le, le fait de dire « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Mes chers frères, le véritable musulman est celui pour qui la crainte d'Allah est le symbole et l'emblème tout au long de sa vie, Le véritable croyant se distingue par ses actes d'obéissance et son abstinence à la désobéissance qui caractérise son mode de vie ainsi que son objectif jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Lorsque les mawasimul khayr, les moments de grâce, viennent à lui, comme le mois de ramadan, les dix premiers jours de vulhidja, cela ne fait qu'augmenter ses efforts dans les actes d'adoration. Son attachement à l'obéissance, et l'entraînement de son âme dans le bien. Lorsque ces moments de grâce se terminent, leurs traces restent représentées dans sa vie comme des images vivantes, une réalité concrète et une action visible et palpable. Mes chers frères, il y a quelques jours de cela, on a fait adieu à un mois béni qui nous a apporté tant de bien. Vous avez jeûné durant la journée. Vous vous êtes levé autant que possible durant ces nuits. Vous vous êtes accroché à la lecture du Coran. Vous avez multiplié les tasbihats et les invocations. Vous avez fait preuve de générosité et de charité. Vous vous êtes rapproché de votre Seigneur avec plusieurs actes d'adoration, espérant ainsi sa récompense et craignant son châtiment. Combien d'efforts ont été fournis? Combien de corps étaient fatigués, combien de cœurs tremblaient, combien de mains étaient levées, combien de larmes ont été versées. Ce mois béni méritait toutes ces bonnes actions, car c'était le moment du commerce avec Allah, le moment de la miséricorde, du pardon et du délivrance du feu de l'enfer. Le mois de Ramadan nous est passé comme l'éclair. Laissant derrière lui ses bienfaits et ses bénédictions, il a emporté une partie de nos vies en tant que témoin de nos actions et de ce que nous avons déposé durant ce mois. Il se doit à chacun de nous de faire le bilan de ce que l'on a fait durant ce mois béni. Quel profit a-t-on tiré de ce mois? Quel effet a-t-on eu dans notre âme? Quels sont les fruits qu'on a récoltés durant ce mois? Quel changement ce mois béni a-t-il apporté en nous, dans nos comportements, nos actes d'adoration et notre mode de vie? Avons-nous atteint la taqwa, la crainte d'Allah qu'Allah a recherchée de nous à travers le jeûne du mois de Ramadan? Durant le mois de Ramadan, on a souvent entendu parler de taqwa. Qu'est-ce que la taqwa exactement? Ali ibn Abi Talib anh, a dit à propos du taqwa La piété, la taqwa et la crainte du Tout-Puissant. Observez la présence d'Allah, que ce soit dans les moments intimes ou publics. Si tu te trouves seul un jour, ne dis pas que tu es seul. Mais tu es sous la surveillance d'un gardien. Mettre en pratique la révélation, méditer sur ces versets. La révélation fait référence au Coran qu'Allah a révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme étant une constitution permanente pour sa communauté. La vie d'un musulman doit être conforme au Coran et à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, être satisfait du peu, accepter ce qu'Allah a écrit pour soi, et remercier Allah pour ses bienfaits, et la préparation pour le jour du départ. Nous devons garder à l'esprit et être pleinement préparés à accueillir ce jour, car tôt ou tard, il viendra sans aucun doute. Nous devons donc être prêts à rencontrer la mort à tout moment. Combien de personnes en bonne santé meurent sans maladie Et combien de malades vivent pendant un certain temps Si la vie d'une personne se termine alors qu'elle est obéissante à Allah, elle se réjouira de rencontrer son Seigneur. Abu anhu taqwa hal za قال فكيف صنعت قال اذا رايت الشوكة عزلت عنه او جاوزته او قصرت عنه قال ذاك التقوى ابو هريره رضي الله عنه في اتي au او de la taqwa il répondit as tu deja emprunte un chemin parsemé d'épines il répondit oui ابو هريره demanda alors Qu'as-tu fait Comment as-tu fait L'homme répondit Quand je voyais une épine, je m'en éloignais, je la contournais ou je la coupais. Abu Huraira dit alors Voilà ce qu'est la taqwa. » Cette vie d'ici bas est parsemée de tentations. Il se doit aux musulmans de s'éloigner de ces tentations pour réussir et atteindre son objectif. Allah a dit dans le Coran, quiconque, quiconque est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Avons-nous donc atteint ce taqwa qu'Allah Ta a recherché auprès de nous à travers le jeûne du mois de Ramadan? Avons-nous fait l'intention ferme de continuer les bonnes actions qu'on avait l'habitude de faire durant le mois béni de Ramadan? Avons-nous pris les moyens pour être acceptés par Allah par la suite et avons-nous persisté dans les bonnes actions? Avons-nous suivi l'exemple des pieux prédécesseurs? Leur cœur tremblait et leur âme était attristée à la fin du mois de Ramadan car ils craignaient que leurs actions ne soient pas acceptées.

Pour qu'ils acceptent leurs bonnes œuvres. Il s'efforçait de terminer les actions, de la perfectionner, puis il s'inquiétait de son acceptation et avait peur pour leur rejet. Aisha anha, demanda au prophète à propos de ce verset. Qui donne ce qu'il donne? Tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Ce verset parle des gens qui font l'aumône et redoutent qu'Allah ne l'accepte pas. Aïcha a demandé S'agit-il des personnes qui font le zina, qui volent et qui boivent des bo boissons alcooliques لمسجد الله لا يا ابنة الصديق لكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون الا يتقبل منهم. نو في فيريديك. جون دو الله تعالى للقرآن انما يتقبل الله من المتقين. Allah n'accepte que de la part des pieux. Certains prédécesseurs disaient si je savais qu'Allah acceptait de moi ne serait-ce que l'équivalent d'un grain de moutarde, j'aurais alors souhaité mourir. Tout ceci en raison de leur peur intense envers Allah Ta'ala. Chaque musulman devrait donc examiner sa situation, réfléchir à son état et comprendre les signes de profit et de perte après les actions. Le plus important étant la persévérance dans les bonnes actions et de faire suivre une bonne action par une autre bonne action. Celui dont l'état après Ramadan est meilleur que celui d'avant, aspirant au bien, désireux d'obéissance, assidu aux prières collectives, éloigné des péchés, ce sont là des signes d'acceptation de ses actions, Inshallah. Quant à celui dont l'état après Ramadan est le même que celui d'avant, même s'il se tourne envers Allah durant ce mois, mais il retourne rapidement dans ses habitudes, abandonne l'obéissance, commet des interdictions, néglige les prières, suit ses désirs, ne protège pas ses oreilles, ses yeux, ses paroles, ses actes, ses biens des interdictions, alors celui-là n'attire que l'éloignement d'Allah, qu'Allah nous préserve. Pour exprimer notre gratitude envers Allah, de nous avoir facilité le jeûne du mois de Ramadan et l'accomplissement des bonnes œuvres, il est important de persévérer dans l'obéissance après le mois de Ramadan. Le musulman doit continuer d'obéir à Allah durant toute sa vie, parce que le Dieu qu'il adorait durant le mois de Ramadan est le Dieu de tous les temps. Il est Allah l'unique qui n'a pas d'associé.

Sachez qu'Allah est vivant et il ne connaît pas la mort. Donc, mes chers frères, celui d'entre vous qui adore Ramadan, sachez que Ramadan est déjà parti, mais celui qui adore Allah, sachez qu'Allah est vivant et il ne meurt pas. Certes, le mois de Ramadan est un mois sacré qui mérite la, multiplic la multiplication des bonnes œuvres, mais cela ne signifie pas qu'après le mois de Ramadan, nous ne devons plus adorer Allah. Le mois de Ramadan ne doit pas être considéré comme une fin en soi, mais plutôt comme un nouveau départ marquant le début d'un cheminement continu vers l'amélioration personnelle et spirituelle. Après le mois de Ramadan, l'individu doit être comme s'il a obtenu une attestation, un diplôme qui atteste qu'il s'est bien formé aux multiples actes d'adoration. Le prophète alayhi wasallam, a dit La meilleure action auprès d'Allah est celle faite avec constance, assiduité et continuité, même si elle est peu en quantité. Parmi les signes de l'acceptation des bonnes actions, c'est le fait de le faire suivre par une autre bonne action. Et parmi les signes du rejet de l'action, c'est le fait de retourner à la, dé à la désobéissance après l'obéissance. L'exemple de celui qui retourne à la désobéissance après une obéissance, c'est l'exemple d'une personne qui a construit une maison. Lorsqu'il a fini la construction, il ne l'a pas entretenue ou bien il l'a démolie. Que vont-ils penser les gens de lui Allah a dit et ne faites pas comme celui qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filé. Selon Abdullah ibn Kathir et rahimahullah, ce verset fait référence à une femme sotte, abrutie qui habitait la Mecque et qui, chaque fois qu'elle avait tissé quelque chose, les défaisait. Mes chers frères, Allah nous ordonne de l'adorer, de rester ferme dans son dîme à tout moment. Les adorations ne sont pas limitées à une étape de la vie ou à une période spécifique, car elle n'a pas de fin jusqu'à la mort. Allah Ta'ala dit dans le Qur'an, hatta Adore ton Seigneur jusqu'à la mort. Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit, L'action d'un croyant n'a pas de terme sans la mort. Tant qu'il qu est en vie, il doit adorer Allah.